Ah. Dégâts fusil à pompe, c'est pas mal. J'ai enregistré mon petit compliment dans ce système écho. Trouve Daisy et fais-le lui écouter. Et puis, attends de voir sa réaction, d'accord? Je veux savoir comment elle l'a pris. Et ce truc que tu dois faire, pour moi... C'est parti. Daisy! Coucou. Poème de scooter, pour toi, Daisy. Je t'aime encore plus que trop. Plus que ce bandit à tripoter ce robot. Tu es comme un diamant qui rit ou une fleur entourée de saloperies. Je me pendrai à ma pierre tombale si tu me laisses pas jouer avec ton trou de balle. Réponse. Ouah, c'est très... Vous m'excusez une seconde? Merci. Non. Alors? Elle a dit quoi? Je l'avais zappé ce détail. Enfin, un détail. On peut... Est-ce qu'on peut encore vraiment appeler ça un détail? Il lui a pas plu mon poème? Non. Je pige pas, pourtant il était vachement beau. Non. Il lui a pas plu et non, il était pas vachement beau. Bah, comme je disais, tu peux, quel que soit ton niveau, tu peux rejoindre la partie de n'importe qui sans que ça dérange maintenant. C'est-à-dire que toi, t'auras des ennemis niveau 1 et de notre côté, on aura des ennemis niveau 7 et ce sera la même partie. Pareil pour le loot, t'auras du loot niveau 7, on aura du loot niveau... Enfin, t'auras du loot niveau 1, on aura du loot niveau 7, par exemple. C'est absolument pas un problème. Société Hyperion a une offre pour vous. Réduisez substantiellement la population de bandits sur ce monde et Hyperion vous récompensera d'une arme fabriquée spécialement pour vous. Ok. Ça semble intéressant sur ce papier, sur le papier en tout cas. Ah putain, j'avais pas du tout oublié. Pour ouvrir la dernière porte qui mène à ma salle, tu dois être Jack. Enfin, tu dois réussir le test biométrique et dire un... La guerre est avant tout gagnée par l'esprit. Tant qu'il restera ces propagandes statues de Jack dans toute opportunité, nous ne pourrons pas le... Y'a que du bleu. Ah non. Allez, sbire, détruis ces statues. Rejoignez Opportunity dès aujourd'hui. Ah non, pas le... Pas le skin. Alors que je passe un petit tri dans mes armes, parce que là ça va plus. 22, 20, 20, rebut. 20, rebut. 20, rebut. 19, rebut. On peut le garder. Rebut. 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 Et ça, je prends. Normalement, j'ai un truc pour vendre le rebut tout seul, non? Non, mais... Ok, on a fait des tests. C'est vrai que j'ai pas autant joué Claptrap que j'aurais aimé, parce que finalement je suis passé à d'autres jeux au moment où j'ai commencé Claptrap. Les statues sont à l'épreuve des balles. Tu remportes le premier round d'objets inertes. Sbire, va chercher un constructeur désactivé dans la zone de largage d'opportunité. Tu pourras t'en servir pour défoncer les statues. Je me rappelle pas, tu vois de ça. Ah bah voilà. Bah là je l'ai one shot. Alors que tout à l'heure j'en chie comme c'est pas permis. Hop là. Non! Hop là. Voilà.
Ça, c'est fait. L'histoire est faite de mystères. Ah bon ? Le monde se dévoile. Chaque citoyen qui accomplit l'intégralité de la vie. Hop là, ça c'est fait. Ça aussi ? Ah ! Hop là. Ça y est, le build de cac commence à faire sens, en tout cas en solo. Salut. Salut le constructeur. Claptrap, il m'a pas demandé un constructeur. Non, c'est les réparateurs qui... Cac diffuse un programme de propagande 24 heures sur 24 à destination de chaque famille dans 6 galaxies. Pour les inciter à émigrer... Allez, pouf! Tu vas leur montrer que c'est une très mauvaise idée. Va emprunter le caméscope de l'Axie. Ah, tu peux pas te retourner, c'est dommage. Oui, je sais, je suis trop fort. Champignon atomique, ça, hein. Salut! Hop là. Hop là, ça c'est fait. Ah. Monsieur est solide. Ah là, je préfère. Ouais, ça m'est arrivé aussi de jouer les armes stylées. Je sais pas si t'es au courant de la quantité de customisation qu'il va y avoir dans le... Dans le troisième opus, mais il devrait kiffer alors. Ninja! Oh, d'accord. J'avais oublié les détails. Bah toujours les skins de personnages, les têtes de personnages, mais aussi des porte-clés, on va dire, de sac à dos, tu sais, un petit peu comme dans The Division. Ce sera génial à l'écran. Et surtout des skins d'armes. Si tu vas sur le Discord de la chaîne, Jordan, tu pourras aller voir dans l'onglet Borderlands 3 que j'ai rajouté un screen avec... avec l'indication en bas à droite de skin d'armes. Donc tu vas pouvoir repeindre tes armes, mon ami. Ah, t'es le constructeur. Il se réveille. Super. It's alive. Très bien. Le constructeur. Ah oui, putain, les voitures aussi. Veille bien sur lui pendant qu'il démolit les statues. Grosso modo. Je sais pas si t'as vu pour les voitures ce qui se passe. C'est en ramenant. Oh, ça pique. Le véhicule avec les pièces que tu n'as pas dans un autolock que tu vas tomber. Les nouvelles pièces. Nabo ? D'où est-ce que tu m'appelles Nabo ? T'aimes pas ma statue ? Compris. J'ai peut-être un peu trop la classe avec mon pied sur la tête de ce bandit. Ça vous rend jaloux, hein ? Le monde se dévoile et les faiblesses m'apparaissent. Au travail. Hop là, on l'a eu. Oh, ça peut être sympa. Les skins des armes. Après, reste à voir si ça va être vraiment en quantité suffisante pour que ce soit une feature. Parce que si c'est trop rare, finalement, c'est loin d'être une feature.
t'es foule? Ça va mieux maintenant? Super. Oui. Alors rentre chez toi et laisse mes affaires tranquilles. Sinon je te jure que je vais me fâcher. Je vais me fâcher. Oh, c'est vrai que ça... Ça me ferait mal qu'il se fâche, là, je veux dire. Marche pas. Au commencement était le chaos. Et le chaos il découvrit une Pandore périlleuse et hostile. Jack s'arma alors jusqu'au temps, privilégiant les arbres infaillibles d'Hyperion, la société qui lui donnait ce sentiment d'être toujours chez lui. Suppression de bandits. Ok. Okay. Pourquoi m'avait dit de prendre un build de cac quoi? Bon, cela dit, si j'arrive à le faire fonctionner 100% cac. Dommage. Je suis en train de lire. Il se titule une façon de forcer un vandale à gober ses propres tripes. Je te le prêterai un jour. Non. Il ne mérite pas goût le frappier. Non. Alors ça pue. C'est bon, je l'ai eu. Faites du slip. Aïe. Voilà. Jusqu'à il y a 5 ans, ou à l'issue d'une bataille épique, je devine ce qui ne te plaisait pas dans cette statue-là. Avec ta tronche de babouin illettré, tu as sûrement un peu de mal devant l'image d'un érudit en train d'apprécier un bon livre. Jack D. Lobo revendiqua la planète même qu'il venait de sauver, car l'ouverture de l'arche révéla un extraordinaire secret que lui seul avait prédit. L'ensemble des contours laser. L'érythium, cet élément extraterrestre mystérieux. Mais arrête! Elle est pas bien celle-là? Je tiens la clé de l'arche et un bébé. Merde, j'ai pas vu qu'il y avait l'autre kit qui était en train de se faire en. Ah! Tu sais ce que c'est, un bébé? Ces petits trucs tout doux, tout roses que vous dévorez après vous êtes roulé dans. Le constructeur est endommagé! J'arrive, j'arrive! Ok. Allez. Il prend cher. Ok. Il a pris très très cher. Tu veux une médaille? Oui! Comment ça, c'est comme ça la casquette? C'est comme ça que j'ai eu la casquette? Non, non, la casquette, je l'ai achetée. Je te rassure. Là, je vais mourir. Non, je suis pas mort! Je ne sais pas comment j'ai fait. T'as pas lâché un loot intéressant? Ah bah voilà. Oh. Oh. Autant pour moi intéressant, c'est pas du tout ça. Une grenade. Protège le robot.
beau, sbire. Je fais ce que je peux, hein. Grenade lancée. Voilà. En tout cas, ils prennent cher, les autres. Hop là. J'arrive, copain. L'intérêt de la chose. Tu veux juste m'énerver? C'est ça ton objectif? Eh bien, mission accomplie, tête de lard. Quand j'utiliserai tes fesses comme paillasson, tu te consoleras à l'idée que pendant 8 secondes, tu m'as légèrement agacé un jour. Tant mieux. Allez. Tes parents doivent être si fiers, toi. T'as pas idée à quel point ils sont fiers de moi. Merde. Tant pis. Non, la casquette, je l'ai achetée, je te rassure. J'ai acheté deux casquettes l'année dernière, je sais pas du tout où est-ce que je les ai foutues. Je crois qu'on me les a piquées. Du coup, bah, il m'a refallu une casquette. C'est comme tu veux. C'est comme tu veux, hein. Regarde les builds, hein, c'est... Franchement, je pense, en termes de dégâts overall, vu tout le merchandising qu'ils ont fait, toute la com qu'ils ont fait autour de la sirène, je pense que c'est elle qui va être le plus pété. Parce qu'ils l'ont, vraiment montré, j'ai envie de dire, comme personnage important. Après, Zane, ça va vraiment être le couteau suisse, qui, j'imagine, aura des builds très très précis. Tu sais, c'est un petit peu comme Krieger, je crois. Dans pré-sequel. Non, c'est dans celui-là. C'est des personnages qui vont être soit extrêmement hybrides, soit avec un build très précis qui va faire masse de dégâts, quoi. L'autre bouton. Ça vous étonne, vous, qu'il ait explosé ou pas? Eh bien, voilà pour la chorégraphie. Mais va jouer dans le mixeur. L'histoire, Opportunity est temporairement débarrassée des statues de Jack. C'est comme tu veux, après tu fais ce que tu veux, entre guillemets. Une fois qu'on a, nous, les quatre, tu fais ce que tu veux. Tout ce qui compte, c'est qu'on ait un moment ou un autre les quatre, que ce soit fun, tu vois. Que ce soit fun d'avoir les quatre à un moment ou un autre à l'écran. Tu peux même, si tu veux, tu peux même fil. De toute façon, en règle générale, fil dans le jeu ne sera plus un problème. Entre guillemets. Tu loot ? Trois munitions par tir, m'a fait 300 de dégâts, quoi. Non mais vous, en règle générale, vous les autres joueurs, vous faites ce que vous voulez. Ce qui compte, c'est qu'à un moment ou à un autre, on est les quatre, quoi. Que ce soit sympa de voir les quatre personnages et voir surtout les interactions qu'il y a, parce que on m'a fait la remarque il y a quelques jours, mais les personnages vont discuter entre eux maintenant. Notre personnage parle pour les quêtes, etc. Donc, c'est encore plus intéressant d'avoir 4 personnages différents, okay, tu vois ce que je veux dire. Parlons des armes, si vous le voulez bien. Eh bien, les ventes d'armes ont grimpé en flèche depuis l'ouverture de l'arche. Non, je vous parle de style. Nos flingues, qu'est-ce qu'ils ont de différent? Une précision accrue, des stabilisateurs. De la classe. Ils ont de la classe. Chez les babacools de Maliwan, leurs armes s'appellent Passion Gospel ou Provocation Virginale. De la branlette d'un télo. Nos clients bandits ne sont pas fichus des plaies pistolets correctement. Le nom de ces flingues vous donne le sentiment d'être un abruti. Devant une armée Hyperion, je veux qu'on ait l'impression d'avoir la classe. J'entends bien. Quelle solution proposez-vous de... Synergie, dynamique, longitudinale. Des mots qui ont du peps, qui ont du sens. Des mots qu'apparemment personne ne comprend dans cette pièce. Sur vos tronches d'Australopithèque, je développe.
Quand on prend en main un fusil Hyperion qui s'appelle polyvalence impulsive, je fais pas de dégâts. Il s'agit d'une arme faite par des petits futés pour des petits futés. Putain, mais personne prend des notes. Je suis en train de vous prendre l'or là. Oh, la machine clé. Ramasse-la, tu seras adorable. À chaque clé, okay. Sa serrure, trésor. Va voir les containers. Peut-être qu'elle ouvrira l'un d'entre eux. Ah, j'ai pas vu. Attends, ouais, non, je vais rien le voir après. Parce que là je suis pas sur le site, je suis sur l'application, ça va m'ouvrir internet, ça va être chiant. J'irai le voir après, je suis désolé. Propagande maison, on va aller voir. J'en suis apparemment très très loin. Et je n'arrive pas à progresser en plus. Merci, merci le maître Discord. Les armes avaient l'air bien, non? J'ai pas vu. Merde! Des armes blanches, ça devait pas être extrêmement intéressant. Là, ce que je cherche à tout péter, c'est un nouveau bouclier Roid. Ils sont assez peu communs, on va dire. C'est de l'opti, quoi. L'optimiser pour le cac. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé une arme avec des balles explosives. Ah, laisse-moi grimper. Ok. Voilà, couché. Ah, ah. Voilà. Avec ces leurres, tu peux forcer les répareurs à voler là où tu veux. En gros, d'accord. Si tu les colles sur la propagande de Jack, les répareurs iront se vautrer dessus. Merci. On va bien s'amuser.